Bonjour à tous, c'est Tom, on se retrouve pour un nouvel épisode de Nier Automata. J'enregistre cet épisode à la suite directe du dernier. J'ai juste fait un truc, je me suis baladé dans les cosmétiques et puis du coup j'ai transformé mon pod en grimoire. Parce que voilà. Bon, au dernier épisode on a trouvé Nine S, on l'a sauvé, on a réussi à le protéger, on a buté Adam qui contrôle la moitié du réseau des machines et du coup ça a foutu un peu le zbeul, ce qui est tant mieux pour nous. Et on a reçu un nouvel ordre de mission qu'on va voir via notre messagerie du coup. Donc, en détruisant une unité connue sous l'appellation Adam, nous avons porté un coup décisif au réseau ennemi. Nous avons d'ores et déjà pu confirmer que de nombreuses formes de mécaniques sont ainsi retrouvées coupées du réseau. Toutefois, l'absence de connexion ne signifie pas pour autant qu'elles sont devenues inoffensives. Au contraire, il est très probable qu'elles continuent d'interférer avec nos opérations. Toubi, vous continuerez à rassembler des informations sur les formes de mécaniques. Signalez-moi toute machine ou comportement erratique et plus généralement, tenez-moi au courant des activités ennemies. Fin du message, le commandant. Analyser les tendances au sein des machines. Il va falloir tuer pas mal de monde. Demande d'information auprès de la forme de vue mécanique Pascal. J'avoue. Pascal, tu m'entends ? Pascal. Que puis-je dire au sujet de nouvelles tendances des machines? De nouvelles tendances. Eh bien, il y a deux jours, j'ai été contacté par des machines récemment déconnectées du réseau. Elles voulaient négocier un traité de paix. Sans blague. Il semblerait qu'elles cherchent à forger une sorte d'alliance avec notre village. Si c'est bien le cas, pourquoi ne pas simplement s'installer au village avec vous? Je crois qu'elles sont en train de fonder leur propre colonie. Mais voyons. Je ne vous le fais pas dire. Putain. Je vais vous fournir les coordonnées si vous voulez. Monsieur West, s'il te plaît, je vais moi-même prévenir d'aller discuter avec elle. Peut-être pourrions-nous nous y retrouver. Bah écoutez, je vous. Bonjour. C'est vers où? J'ai la flemme de marcher. Zut. Book. Wait, what? Mais c'est oh, faut que je me TP où? Ah, l'usine. TP usine. Hop là. Hop là. Hop là. Transfert usine. On va y aller. Il y a une caisse secondaire là-bas que j'ai depuis un moment qu'il faudrait que je fasse. On va bien voir ce que ça donne. Pression interne, activation de l'UFF, SCR activé, initialisation de connexion pour transmettre un poids par métrage UDB, activation du système contrôle inertie, activation du capteur environnemental, authentification d'équipement terminé, vérification d'état d'équipement vert, système vert pour l'activité du combat terminé. Let's go! Alors, il va falloir que je passe par là, j'imagine. Ah, faut que je prenne la grosse route. Et la grande route, je l'atteins par. Par le camion. À moi ça. Non mais. Toby, caméra, caméra. Un des défauts du jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des défauts, en tout cas j'en ai personnellement, j'en vois pas beaucoup, mais le principal défaut, c'est la caméra qui est quand même assez étrange, je trouve. Bon, les machines ne m'attaquent pas. On va en profiter. Let's go! L'usine. C'est dingue quand même, hein. Le camp de résistance est juste à côté de l'usine avec lequel on a eu beaucoup trop de mal. Mais bon. L'usine, je suis déjà venu ici pour tuer des. Pour combattre des renégats de Yura. Et je me souviens pas ce que. Mais je suis pas allé plus loin que juste le bas de la rampe pour casser de l'androïde. Y a un chemin quelque part qui me permette de. Oula, il y a. Il est mort. Il est mort.
vous êtes mort. Hop là, hop là, hop là. Données topographiques débloquées, merci. Allez, c'est dégage. Hop là, hop là. Il faut qu'on aille à l'étage, j'imagine. Y'a pas un coffre là? Non, c'est pas un coffre. Ah, mais je reconnais l'endroit. C'est là-bas qu'on s'est battu et du coup y'a plus de route. Trop bien. Pascal! Oh, Toby, bonjour! Êtes-vous prête? Les machines qui cherchent à forger une alliance avec mon visage se cachent par ici. Cependant, mieux vaut tout de même rester sur vos gardes. Nous autres machines pouvons être imprévisibles. Même toi? Même moi. À présent que nous sommes coupés du réseau, nous ne partageons plus nos données. Nous ne pouvons nous parler, bien sûr, mais langage offre de nombreuses façons de... Je sais pas. Oh, il a un propulseur au cul. Oh, il se balade avec des pistes... Avec son jetpack... son PA réaction. Wow, une secte. Vous prenez très dans le royaume de Dieu. Bonjour. Empruntez ce couloir si vous le voulez bien. Non, c'est les jeux comme ça qui sont faits pour être joués à la manette, qui font que tu peux pas te déplacer à la même vitesse que les personnages. C'était souvent le cas aussi sur Assassin's Creed. Parce que le principe de la manette, c'est que tu peux du coup doser la vitesse à laquelle tu te déplaces en fonction de à quel point tu appuies sur ton joystick. Parce que le seul problème, c'est que du coup, quand tu fais ça avec un clavier, tu peux faire que oui, non. Tu peux pas faire un truc avec une différence d'intensité. Ce qui fait donc... Ah tiens, quelque chose ne tourne pas rond chez ces machines. Merci Pascal. Donc le problème de la plupart des jeux du coup, c'est que soit on se déplace trop vite par rapport au perso en trottinant comme nos persos le fait de base, soit quand on a un bouton pour marcher on est trop lent. Ça mène au sanctuaire, ça va. On va tomber sur Eve ou sur... Je dis que tu pourras s'améliorer. Voilà. L'université et le conflit soient jamais. J'ai ouvert mon cœur à Dieu, j'ai renseigné envers tout mon être. Le déplacement de Pascal est incroyable. Bonjour, je suis Pascal. C'est grâce à devenir un dieu. Devenir un dieu. C'est grâce à devenir un dieu. Oh là là. Baston général. Ou ils sont juste tous morts? J'ai jamais vu une machine ayant des points de vue aussi uniques. Cours vite. Ils sont combien? Tubi à la base. Nous avons dû affronter la machine aussi à l'usine désinfectée. Trouvez vite une issue de secours. Envoie un signal de détresse.
Bon, en vrai, je peux me les faire. Ils sont nombreux, mais ils sont faciles à tuer. Ouais, nous deviendrons des dieux, ouais, youpi. C'est Pascal qui ne peut pas m'aider au combat, triste. Ah, résilience, c'était quand même vachement pratique. Je me suis retrouvé stun après un coup, pas cool. La porte vient de s'ouvrir, trop bien. Ouais, non, je vais tous les tuer d'abord. Ah, c'est qu'il en tombe à l'infini. Ah, ça fait usine XP en vrai. Oh, on va en tuer quelques-uns, allez, c'est l'heure de la session farm. Oh, yeah. On va essayer de lever, puis si on aura assez. Ah, ils augmentent de niveau en fait. C'est vaguement pas cool. Ouais, quoi que. Je sais pas s'il y en a une infinité. Il y a des coffres, ça veut dire qu'on peut sûrement. Ouais, non, ils reviennent. Moi, je veux juste ouvrir le coffre, en fait. Merci pour être... Ouh, 3000, j'aime. Allez, on se tire. Non, mais... on se tire. Apparemment, ça a pas marché. Ah, si. Ah, non. Cassez-vous. Pascal, viens vite. Ouais, doucement, doucement, Toubi. Nanès ? Ah, il a piraté la machine ! Évite de prendre fil, on se retrouve plus tard. Fuir l'usine. Oh, magasin. Ah, pourquoi, s'il vous plaît, arrêtez ce massacre. Je voudrais vous procurer ce dont vous avez besoin. Ah bah cool, on va vendre tout notre truc là. Ça, je m'en fous. On s'en fout. Hop là. Comment ça, c'est pas le moment. Compétence accrue. Ah, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là, minerai de cuivre, bah allez, ça dégage, minerai de fer, ça dégage, minerai d'argent, ça dégage, amas de ferraille, hop là. On voit, y a pas de trucs qui peuvent être vendus. Je vais essayer de garder quand même les matériaux, parce que ça a l'air d'être utile. Par contre, tout ce qui est boucle d'oreille, etc., on s'en fout un peu. Hop là, 8000 balles avec. Allez, on va vendre les vengeances de haut niveau, on en a pas besoin. Recharge rapide, pareil. On a 77 000 balles. Sauvez-nous. Moi, j'y suis où? Mauvais côté. Mais Pascal, depuis quand t'as appris à téléporter? Oh, miniature. Est-ce que c'est comment dire? Ce
Niveau 6, c'est quoi cette arnaque? J'ai mis XP gratuit. Pourquoi j'ai du mal à voir où je suis en fait, c'est compliqué. Allez go! Let's go! On continue. Un point de TP là? Oh le bas level. Comment il est trop nul. Connexion est trop instable pour utiliser le transporteur. Triste. Mais ça permet de sauvegarder. Ce qui est quand même. Bon, je vais réussir à atteindre cet escalier, oui. Hop là, donne-moi ça. Baguette de soudure. Let's go. C'est une usine de production de robots, ça. Enfin, de machine. Il y a des kamikazes. Au secours sur 20, en fait. J'allais dire ces machins ils sont pas. J'étais sur le point de dire ces trucs ils sont pas censés. Ils sont pas censés descendre. Je me le suis bouffé en pleine poire. C'était pas prévu. Mais bon, allez, on va sortir cette usine. Allez, fanatique mécanique. Oh, je m'en souviens pour comme titre de. Ah, j'aurais dû faire une sauvegarde rapide. Bon, on va revendre des trucs, hein. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est cool, ça m'a. Mon argent. Ils ont gardé. Cool. Allez, let's go. Faut courir. Ça va être long. Let's go! Hop là. Ça dégage. Bah, tout le monde il est mort. Moi j'aime bien. Ah mais cours. Toby. Est-ce que du coup le point de sauvegarde est. Ouais, le point de sauvegarde s'est fait avoir. Il donne 1 d'XP le machin, ça veut rien dire. La connexion instable. Faudra que je fasse une sauvegarde automatique. Mais bon, flemme. Enfin, une sauvegarde automatique, une sauvegarde rapide. C'est là qu'il y a les psychopathes, les mourir. Mais Nick, ils sont combien? Non, en fait. C'est stop les kamikazes. Ils font beaucoup trop mal. Ouh, j'avais pas eu le temps de le voir lui tout à l'heure. Qui donne un peu d'XP quand même.
Ouais, 88, c'est pas mal. Ah, mais c'est mon corps, ça. Récupérer le corps, récupérer. Récupérez vos plus de proximité. Ouais. Merci. Oh, j'ai récupéré de l'XP. Continue à avancer tout droit. Mais what? Oui. Mais surtout pas, Pascal. Hein. Book. Oula, c'est dangereux ça. Oh non, fuir. Oh, une level up. Allez, on se tire. Mais what? Faut viser la bouteille. Ils sont à peine dangereux les machins qui explosent. Les normes de sécurité, tout ça, elles sont pas. Elles sont pas en normes la sécurité. Elle va encore, faut récupérer, bah, tant pis. Ouais, mais il y a plein de nouveaux robots. C'est juste des visages qui... Allez, on va rush. Flemme de me battre, c'est bon. J'avance déjà assez lentement sur le tapis. Ah vache. Je vais tomber sur quoi cette fois? Rien? Si, faut que je tue les bestioles là-bas? Non. Ils sont gentils, ils m'agressent pas. S'ils m'agressent pas, je les agresse pas, écoute. Hein. Allez, salut Jean. Non, c'est pas ça que je vais faire. Let's go. Oh la vache. L'usine qui est à peine grande. Hein. Allez, mort. Ah ouais, un jeu de singe comme, pour, comme avec les enfants. Allez, je vous laisse là. J'ai juste récupéré le loot, des bisous. Oh, enfoiré. Eh, ça fait mal, ça. Blit, blit, blit. Il y a un truc là. Ouais, de l'argent gratuit quoi. J'aimerais grimper. Je sors par où moi? Ah bah par là. Je n'avais pas fait gaffe. Pourquoi fuyez-vous? Ouais, c'est drôle. Je vois que dalle devant les trucs. À l'aide.
Quoi? Il y en a qui veulent pas mourir, il y en a qui veulent tuer les autres. Allez, meurs toi. Non mais c'est pas bien. Stop. Arrêtez de le bully. Il veut pas mourir. Toi tu meurs. Argent. Là faut que je parte. Allez, on continue. Let's go. What the fuck is up? Non mais on en parle. Au secours. Le Michel, t'es mort ou t'es vivant? Ah, il est vivant lui. Il y a un coffre. Comment vais-je vivre à présent? Bah écoute, meurs. C'est quoi ça? Pourquoi il y a le truc qui tourne au-dessus? Eh, hey, meurs. Si tu ne sais pas comment vivre, bah crève. Merci pour l'XP, hein, ça fera plaisir. J'ai oublié d'activer la topographie. Sauvegarde. Allez, on se casse. Viens Pascal, on se tire. Il les a tous tués. Un autre combat de boss. Il va y avoir Oh la vache. J'ai pas accès à ce garde? Non. Bon, faut pas crever quoi. On va essayer de pas mourir. Ah, je m'en serais pas douté, dis donc. Non? Bouclier d'énergie pour rejoindre les ennemis. C'est que quand une portée une flèche portant source d'énergie détectée dans l'usine. Destruction de la source d'énergie. Naïs. Ça fait un moment que je veille sur toi. Je vais couper le courant dans l'usine. Prise de contrôle au système de l'usine 80%. Tiens bon, ouais, bon, ça va, il me... pas trop compliqué. 90, 92, 95, 98, 119, 100. J'ai fait 10 jours. Comment ça, niveau 30? Ouah! Oui. C'est ça que j'ai pas racheté au marchand du soin. Forcément, il prend pas de dégâts. Moi je lui mets tout dans la bouche. Faut que je vise la jambe à côté.
Ouah. Allez, 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 allez. Ah, il prend plus de dégâts là en fait. Faut que j'aille au corps à corps. Faut que j'aille corps à corps uniquement, il prend pas d'autres dégâts. Oh! Zwick! Et Schwick! Schwick! Oh, la vache! Ça va, ça va, ça va. Je me tire. Il a pas looté du matos? Il y avait une drôle de machine quand même juste dedans. Allez, on se casse. On se casse. Bien sûr, il faut appeler l'ascenseur qui fonctionne sans l'électricité parce que. Je sais pas. T'as Pascal. Le principal de mon école primaire s'appelait Pascal. Voilà, c'est tout. Je voulais le dire. Bonjour. Non mais comment j'ouvre le coffre là? Cassez-vous. Merci. Du soin. J'apprécie. Non en fait. Hop là, XP gratuit, XP gratuit, XP gratuit. Avec un peu de change, j'aurai bientôt level up. Avec tes mains. Merci. Pascal qui est en train de glitcher les enfers sous nos pieds. Ça ne fait rien. Est-ce que je serais parti du mauvais côté? L'objectif est de l'autre côté, mais il y a un truc par là. C'est le même chemin que tout à l'heure. Bon, on s'en fout, on va. Salut toi. Ouais, c'est l'usine au début du jeu, là, c'est le trajet qu'on avait pris au tout début du jeu, ça je m'en souviens. Il ne reste plus que mourir. J'ai peur. Casse-toi. Nous devons mourir et devenir des dieux. Oui, mourons sans attendre. Au secours, au secours, au secours. Boah, nous deviendrons des dieux et nous serons libérés de nos tourments. Nous devons mourir et devenir des dieux. Adieu, adieu, nous deviendrons des dieux et serons libérés de nos tourments.
Au secours, les gars, c'est bon, calmez-vous. Vous avez un problème. C'est l'entrée, ça, non? Waouh. Pourquoi t'es mort, hein? Pas juste mon seul frère. Tiens, les enfoirés, je vais les tuer. Je vais tous les tuer, je le jure. What the... J'avoue que l'usine est vachement grande quand même, hein. Non, c'est bon, je reviens pas. Je me casse. Je retourne au camp de la résistance. Et toi? Je reprends l'organe du village. J'ai tant à faire là-bas. Mais c'est une épée, ça? Mais c'est qui? Oui! C'était quoi tout ce matos? Machine. Demande renfort à l'aide. On y va. C'est quoi ça? Vous avez récupéré une arme traité vertueux. Mais je l'ai pas le traité vertueux? Je l'avais pas? Armes. Toutes les armes. Fléau, ça je l'ai. Ça c'est ma nouvelle épée. Mais j'avais pas. Ah non, j'ai contrat vertueux. Lame blanche de samouraï d'Orient. Katana blanc de samouraï d'Orient. Elle est niveau 3. Mais elle est stylée cette épée. Et après j'ai dignité vertueuse. Et sinon je peux foutre des patates. Ça fait quand même du sang de dégâts. On vient de trouver une épée. Waouh, c'est stylé ça. Donc pour résumer ce qui s'est passé là quand même. On est allé dans l'usine pour parler aux machines qui voulaient faire un traité de paix avec Pascal. Et il s'est avéré que c'était des fanatiques religieux. Et c'est parti en cacahuète. Et en sortant, on a reçu un message de détresse. Donc on va y aller. Mais on fera ça au prochain épisode. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.